fait, la moto, c'est un sport, quand t'es dedans, c'est dur à en sortir, en fait, parce que c'est une sensation qu'on a que quand on est sur la moto, en fait. C'est vraiment une sensation autre que la vie de tous les jours. En 2021, j'ai eu une grosse chute à Rouville-la-Place. J'ai eu deux vertèbres cassées. J'ai eu des contusions aux organes, le foie et puis le poumon. J'ai eu un gros, très gros trauma crânien. C'était vraiment pas facile qu'ils soient autant loin et que nous, on n'ait rien pu faire. Quoi. On s'est vraiment senti impuissants. Et en fait, les gens qui étaient sur place, ils voulaient nous rassurer, ils nous disaient tout va bien, il est là, etc. Mais ça n'allait pas. Donc voilà, c'était pas facile. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on réalise que ce sport, c'est... On entend aux nouvelles, voilà, tel et tel s'est blessé, tel et tel s'est fracturé ça. On sait que c'est un sport dangereux, mais voilà, on garde une distance. Mais quand ça arrive vraiment à un proche, on le vit autrement. Ça nous fait... Ouais, on voit vraiment la chose d'une autre manière. Bah, le but pour 2022, c'est sûr que quand on va dans un championnat, on a envie de gagner. Mais bon, je suis en train de travailler pour et puis on va tout donner. Je m'appelle Lucas Dizeran, j'ai 18 ans. Et je suis pilote de motocross. Allez! Non! Ok. Droite, main droite. Luca, ben, il a eu son grave accident au mois de juillet, enfin, l'année dernière. Le but, c'est surtout de lui redonner une condition physique qui lui permette de pratiquer son sport le plus facilement possible. Et puis surtout. Tout en étant le plus safe, parce que malheureusement dans ce sport, quand tu vois les boîtes qui se mettent, c'est intéressant d'avoir un corps qui suive. Et puis après, on va aller dans des structures d'entraînement qui vont être la force, la vitesse, la réactivité, la coordination, parce que à savoir encore une fois, c'est que Lucas, sur son accident, il a eu un gros trauma crânien. Et puis, y a certaines choses qu'il faut retravailler, qu'il a fallu retravailler, parce que maintenant c'est acquis. Donc on a de la chance, ça a été assez vite. C'est sûr que là, depuis ma blessure, depuis que j'ai recommencé l'entraînement, j'ai quand même eu un petit déclic, parce qu'avant, c'est pas que je m'entraînais moins, mais là vraiment, j'ai envie de vraiment revenir au maximum. De repartir à zéro, ça m'a vraiment mis un boost. Et puis du coup, je pense que je m'entraîne quand même plus qu'avant, surtout physiquement. Après moto, c'est toujours pareil, mais physiquement, je pense que je m'entraîne vraiment, vraiment, vraiment plus qu'avant. J'ai une première course de préparation qui va être le 27 février à Sommières en France. Et l'ouverture du championnat suisse, ça se passe le 10 avril à Payerne. Les courses de moto, c'est là en Suisse, c'est le dimanche, ça se déroule. On commence vers 7h30 le matin. On a un essai de 20 minutes. Après, on a une séance chrono vers 9h, 9h30, qui va nous définir notre place sur la grille de départ. Après la pause de midi, ça veut dire vers 13h, 13h30, on a la première manche qui dure 25 minutes plus de tours. Et aux alentours de 16h. On a la deuxième manche, pareil, 25 minutes plus de tours, et puis ça, c'est deux manches, en fait, le total, ça nous fait le podium de la journée. Ouais, le chrono, ça va, j'étais pas trop content de mon temps, mais j'étais 4 quand même, ça va. C'est, putain, ça roule bien, ouais. Y a du monde, ouais. Et les conditions, c'est parfait, là. Putain, moi, c'est la piste, c'est des ornières de partout, ouais, c'est un truc de malade. Ah, oh, dégueulasse.
me dégoûte. Je vais manger pas beaucoup, hein. Mais un petit peu, ouais, pour pas avoir trop le ventre plein. T'as fait quoi au magasin avec le pistolet? T'as mouillé tout le monde? Ah hein? T'as pas pris ton pistolet ou... Et est-ce que t'as mouillé ta sœur? Oui. C'était comme ça. Mais elle est... On regardait pas, on était dans ce décor. Ah, West Side. Eh, mais ça va être super. Bah oui. T'aimes ici, toi? Bien sûr. Ouais, mais là, c'est dur. T'es les ornières et tout. Oui, ils m'ont dit qu'ils allaient repasser un petit coup de trax parce que là, c'est... ça allait fatiguer trop vite. C'est compliqué, là. Je trouve que ça va tomber beaucoup, je pense. Partir devant. Partir devant. J'ai fait un très bon départ. Je suis parti en tête. Je fais 3-4 tours en tête. J'avais un bon rythme. Puis après, j'ai un peu commencé à lâcher vu que j'ai plus trop de force dans l'épaule, vu que j'ai eu une blessure il y a 3 semaines, je me suis sorti l'épaule. Je suis quand même content de ma 4e place après le niveau qu'il y a, donc voilà, je suis super content de la première manche. Et donc j'en fais un peu posé, puis bravo pour ton headshot, c'était un bon coup. Bravo. La grande qualité de Lucas, je pense, c'est qu'il en veut tout le temps. Et que et peut-être sa plus grande faiblesse, c'est qu'il ne nous montre pas assez les choses. Les seules fois où je m'entraînais avec lui, c'était, il m'embêtait quoi, sur la piste. Il voulait faire le grand, celui qui allait le plus vite. Et puis, mais c'était sympa. J'avais l'impression qu'on était vraiment hyper soudés. Quoi. On était là, on avait tous le même but. Mon papa, il était là pour nous. Et c'était vraiment... c'est vraiment des moments réconfortants. En fait, la moto nous réunit finalement. De nos jours, vraiment, le défi, je pense, le défi pour chaque pilote, c'est les blessures. Oui, ça a changé la vision. Je vois ce sport un peu différemment. Mais je l'aime toujours autant. Ah ouais, ah ouais, cette piste de merde, oui, c'est trop bien là-bas, c'était de la merde, c'est trop bien, c'était sec, béton, non, samedi. C'est un champ, heureusement Gaël, t'avais ton plastron, t'avais le plastron qui flottait, ouais, j'avais le plastron qui volait, deux manches quand même, deux manches, t'as un toyer, le plastron il est quand même salopique, t'es comme un barbier, hein, de Rixel, ouais, il était pas attaché. Pourquoi t'es pas attaché? Non mais il serrait pas les sangs. Bah en fait j'avais pas serré les sangs, donc il était attaché dans l'air. Ouais, c'est comme ça, il est dans la gueule à chaque saut. Alors, première manche qui a bien commencé, je pars en tête. Depuis milieu de grille, que je pensais pas, mais bon je suis parti en tête. J'ai fait 3 bons premiers tours où j'étais en tête et je me suis fait doubler. Et puis d'un coup j'ai pris un mal de bras. Et puis depuis là, j'ai essayé de rouler 5-10 minutes et vraiment tout le haut du corps, j'avais plus de force. Donc j'ai failli tomber quelques fois, j'ai pris des gros risques, du coup j'ai préféré sortir et puis pas tomber bêtement. Deuxième manche, j'étais pas en forme de la première manche quoi. Donc départ, je me fais renfermer direct en sortie de grille. Du coup je pars dernier. J'ai fait une pas mal remontée, je suis passé 20e à un moment et j'ai pris une bonne pierre dans l'épaule et puis en fait ça m'a. Je sais pas comment dire, mais ça m'a chanté plus quasi mon bras. Et puis du coup j'ai dû m'arrêter au bord de la piste et puis voilà, bon ça. C'est comme ça, c'est un week-end à oublier. Je sais pas où il y a de la merde, là,
posé le cahier de la merde ici? Là? Non. Il y a les fils, bien sûr. Parce que vas-y, ils démontent les câbles à chaque fois. Alors moi, ma semaine, pendant une saison de cross, donc quand on rentre d'une course, donc le lundi, donc on lave les motos, on les prépare, la moto de course, donc on la refait toute comme il faut pour la prochaine course. Tout le matériel part à la buanderie, donc c'est mon épouse qui lave tout. Après, on doit laver les bottes, les casques, le bus, tout ce qui va avec, surtout quand il pleut et que c'est de la boue. Après, dès que la moto est prête, celle de course, donc on la met de côté. Lucas, il va s'entraîner souvent le mercredi. Donc le mercredi soir ou jeudi matin, il faut laver la moto d'entraînement. Et après, il reroule des fois le jeudi, donc on relave de nouveau le jeudi soir. Jusqu'à la prochaine course, et toutes les semaines, c'est exactement la même rengaine. Jusqu'en fin 2021, donc Lucas, il était dans des teams. Donc là, mon rôle était complètement différent, parce que j'étais plus que le papa. Donc on allait voir les courses avec ma femme en véhicule, et puis on rentrait à la fin du week-end. Donc on n'avait plus de matériel à la maison, plus de moto, plus rien. Donc tout était géré par le team. Donc maintenant, je reprends mon rôle d'il y a 4 ans en arrière, quoi. J'amène tout sur les courses, je prépare la tonnelle, je sors les motos, je prépare la table, je mets tout, l'atelier, les caisses à outils, pour que tout soit prêt pour le jour J. Et souvent, quand tu laves le soir et puis que le lendemain, il repart courir, tu recommences à zéro. Donc c'est toujours le même cycle, quoi, en fait. On a vu une vitesse. Puis le parcours bien. Hein? Bien le parcours. Ouais, c'est petit, ça va petit, mais ça va. J'ai déjà froid en bas, je veux pas. Il te la met aussi en hiver, ça? Tu veux une pub L'Oréal ou bien? Non, c'est pour les cheveux. Je vais l'éteindre, mais j'ai froid déjà. Ah, ok. Accélère. Mets une dent déjà. Là, on va commencer à monter un peu en puissance parce que là, c'est un peu. Là, il manque le panier pour aller à la salade. Dans 20 secondes, t'accélères. Je te veux vraiment te monter, voir en puissance et tu mets une dent, tu montes le rythme. Allez, tu tiens. 10 secondes, on commence les exercices. Allez. Bon, on y va. Tu tapes sur le vert seulement. Focus sur vert. Vas-y, vitesse. Non, allez. Les mains toujours sur le guidon de nouveau. Allez. Allez, pousse. Allez, go. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Allez, pédale. Alors, on recommence, on y va sur les potes. Allez, plus vite. Oui, c'est ça. On a fait le choix d'aller faire cette course à Epoter en Angora, qui est un cran en dessous quand même que du championnat suisse. Le but, c'est de reprendre la confiance, du rythme, pour essayer d'arriver au championnat suisse avec un maximum de confort, de vitesse, et puis d'avoir repris ses repères, voilà. Durant le chrono du classement dans 2,5, il chute. Simplement qu'au moment de poser la moto, l'embrayage casse et puis ça le pénalise un petit peu sur le temps final. Il a même pris la décision de courir dans deux catégories, donc 2,5 et 4,5. La fatigue que ça allait créer, tout, on se doute un petit peu de ce qu'allait se passer. Donc couper la deuxième partie 4,5, s'axer sur le 2,5 qui s'est pas trop mal passé au final. Ouais. Donc toi t'as vert. C'est celle qui te faisait déjà chier avant. Putain, je la vois quand je roule dans mon ombre. Je la voyais. Si tu vois l'étiquette, c'est bien. T'as vu? Oui, t'es à une main comme ça en train de te t'habiller là. Sachant que Luca a cette qualité d'être un super pilote et une super réactivité, on a optimisé encore avec ses exercices et encore plein d'autres qu'on a mis en place dans le cadre de notre structure et quand il vient chez nous. Comme c'est nouveau pour lui cette année, d'avoir toutes ces petites choses, le but c'est vraiment qu'il soit à l'aise et puis qu'il ne soit pas dispersé du moment qu'il doit reprendre ses mises en place avant une compétition. Voilà. Et ça c'est au premier tour. Tu... au max, ok? C'est vraiment le sprint maximum ce que tu peux faire. Tu restes assis, ok? 5, 4,
3, 2, 1, go. Allez, 10, 9, 8. Vous arrêtez ou bien? On a une droite avant le saut, tu sais, dans le coffre. Ah ouais! Il a fait quoi? Je sais pas, il était parfait. Okay. Mais ils ont arrosé, laisse tomber. Patinoire. C'est comment? Ils ont coupé maintenant? Je sais pas. Il est là-bas. Tu restes là. Tu restes là, tu te mets ailleurs. Tu ne prends pas la tête avec toutes ces discussions. Comme malheureusement ça arrive, ben, il y a eu une chute. Un motard s'est blessé. Et puis, ben, clairement, quand tu parles d'un accident et autres, ça peut péjorer sur le reste de ta compétition. Donc on sort de ça parce que c'est clair que. Tu vas perdre tes moyens si tu restes à cause de ça, quoi. Bah, résultat, positif. Première place ex aequo pour Lucas, donc en demi. À savoir que dans ce qui se passe, c'est que on termine la journée. Lucas, déçu par moments pour certaines phases de course et autres, complètement à côté, jusqu'à ce qu'on lui pose la question, mais tu sais où tu en es. Nous, bien évidemment, on va regarder un peu nos résultats. On est entraîneur ou bien le team, on va quand même un peu regarder ce qui se passe. Puis on lui pose la question, on lui dit, puis toi, tu sais où tu en es? Ah non, aucune idée. Mais une Luca, en fait, on n'est pas surpris avec lui, c'est assez drôle. Après ces petits sauts d'humeur, on peut dire comme ça, il a été quand même satisfait et content d'aller boire son coca sur le podium. Ça va? Comment? Ça va. Je vais pas me cramer, mais bon. Monte sur le vélo, tu vas récupérer. Ah. Tu vas récupérer. Monte. Ça joue? Mais moi, ce que je vois, c'est que tu bouges jusqu'au bout. T'as été jusqu'au bout. Les autres fois, t'aurais bâché, t'aurais levé, t'aurais n'importe quoi. Et là, t'as été jusqu'au bout. Puis moi, à force t'encourager, je me suis à moitié déboîté l'épaule. Donc, franchement, ça, c'est ce que j'attends de toi. Okay. Et puis je peux te dire que tous, parce que tous qui s'investissent, ton papa, ta maman, ta chérie, ta sœur, tout le monde, Katia, surtout ben nous, quoi. Franchement, tu dois faire ça, ok? Surtout que tu le fais parce que tu vas chercher et tu as du plaisir. Parce que ce que tu as démontré, t'as montré au début, les gars ils sont venus à moi, ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit putain, il est chaud, Lucas. Ouais, bah ouais. On peut dire que je suis revenu mieux que je pensais revenir. Moi, je suis pas trop satisfait parce que j'ai encore un peu de la peine physiquement sur les fins de manche, du coup, ce qui m'a beaucoup pénalisé. Et après, j'avais un peu des, comment on peut dire ça, des grosses fatigues en fait qui arrivaient. Au milieu de la manche, j'avais des gros coups de mou et puis maintenant, ça va mieux. À l'entraînement, ça va bien, donc il faut mettre ça en course. Et puis une fois qu'on arrivera à faire la même chose en course qu'à l'entraînement, bah, tout ira bien. Alors ouais, c'est sûr, comparé au début de l'année, physiquement ça va quand même beaucoup mieux parce qu'au début de l'année c'était vraiment compliqué, j'étais encore tout maigre, j'avais pas pris de poids. Mais là je commence à monter gentiment et puis je vais tout faire pour arriver à 100% là, et puis une fois qu'on y sera, bah ça sera top. Lucas, t'as pas besoin de laver. Exactement. C'est Arnaud, il me dit. Tu fais pas comme avec ton vélo, tu ne l'as pas à chaque sortie. Hein. Je dis quoi? Non, tu ne touches pas cette bécane. Ah non, non, pour moi. Pour Arnaud moi, me disait. Bon, et bonne poutre. Hein. Ouais. Et, tu peux pas me donner un coup de main? Ton t-shirt blanc là. Hé, hey, arrête, je pars en chaussures blanches. Elle me regarde, elle me dit. T'es sûr? Ah, ouais. Son frère, il me regarde, il me dit, tu es sûr? Ah ouais. Ouais, bon, bah. Hier, on a pris la roue ici. Pareil. Oh, ouais. là.
La troisième partie, si on la découpe en trois, il roule bien. Enfin. Ouais. Il a eu quoi? Il a mal au ventre. Il a envie de dégueuler. Mais je pense, tu vois, première fois qu'il est dedans. Qu'il met un peu le pied dedans, tu vois. Il est mal au ventre. J'ai envie de vomir toute la manche. Ouais, monte sur le vélo, tu tournes juste les pattes, tu vois, ça va te faire la limite, ça va te faire gerber, n'importe quoi, ça tourne. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai mal, je pouvais pas me prendre les trous. Mais tu fais une super fin de manche, t'inquiète. J'étais tombé malade à Muret. En première manche, j'avais eu besoin de vomir pendant la manche. Puis à la fin de la manche, j'avais bien vomi. Donc, puis après le soir, et puis la semaine d'après, j'étais complètement malade. Donc je pense que j'aurais attrapé une petite grippe ou une gastro. Bon, c'est comme ça. Côté résultat, j'ai pas vraiment regardé. Mais après, j'ai loupé deux manches à Frauenfeld. Donc, on va voir suivant comment au fil de la saison, comment ça va. Si je suis assez régulier avec les résultats, je pense que je peux arriver dans les quatre premiers, voire. Je pense qu'il y a une possibilité aussi d'un podium, on verra bien. Salut, du coup, pour mon épaule, jusqu'à fin septembre, mi-octobre, je vais être tranquille dessus, je vais pas trop toucher. Et puis, du coup, je vais pas opérer, en fait. Bah, je pensais que j'allais opérer, mais du coup, j'opère pas, donc tant mieux. Et puis, ouais, pour les courses, non, à mon avis, j'aurai plus de courses cette année.